L'unité 5, l'eau et la vie, dans le livre L'Oasis des mots. La production écrite, la page 45. La page 145, la production écrite. La première question, j'informe sur l'importance de l'eau. J'informe حول أهمية l'importance de l'eau en écrivant ce qui manque بكتابة ما يلزم. إذن عندنا il faut c'est importante. Il faut من يجب c'est importante, مهمة. Donc, la première phrase, l'eau, la vie. L'eau, la vie. الماء, الحياة. Bien, نكملو. L'eau, c'est la vie. C'est la vie. الماء هو الحياة. L'eau, c'est la vie. L'eau est pour tous les êtres vivants. L'eau, elle est pour tous les êtres, les jamais, les kainat vivants, les kainat haya vivants. L'eau est importante. Il y a elle est importante, mohim. مهم أو مهمة. الماء مهم لجميع الكائنات. L'eau est importante pour tous les êtres vivants. Il respecte l'eau. احترام الماء. Donc نكملو. Il faut respecter l'eau. يجب احترام الماء. Il faut respecter l'eau. Deuxième question. Ici, consigne. Je mets en ordre les phrases. Il est actuel, bitartib, hadil, jumal. Et je les écris. Ou actuel. Il est ortibul, jumal. Ou actuel. Gaspiller. Maintenant. يضيعوا لو الماء. Il ne faut pas, لا يجب. دون تعطي. Les nuages, السحاب. La pluie, الشتاء. Et le verbe être. L'eau, الماء, aux êtres vivants, للكائنات الحية, utile, إذن مهم. إذن, on écrit la phrase, il ne faut pas gaspiller l'eau, لا يجب إضاعة الماء. Deuxième phrase, une autre phrase. Les nuages donnent la pluie. السحب تعطينا المطر. Les nuages donnent la pluie. L'eau est utile aux êtres vivants. الماء مهم للكائنات الحية. L'eau est utile aux êtres vivants. Troisième question, je réponds aux questions pour informer sur l'eau. Il donne au jibre un hadil esila, li ukhbira an ilma. Où se trouve l'eau sur terre? Il donne aina yujad ilma fawqa al-ard. Jawab sur terre. Il donne ala al-ard. L'eau se trouve dans les fleuves. Les fleuves. إذن الماء يوجد في الأنهار، الفلوف، للاك،
Louisiane, les puits, l'abad, les mers, le béhal, les océans, océans, le mohétat, le robinet, den sonbol, les sources, les grottes, le magarat, les barrages soudoud. Den se répète, sur terre, l'eau se trouve dans les fleuves, les lacs, les puits, les mers, les océans, le robinet, les sources, les grottes, les barrages. Deuxième question, que fait-on avec l'eau? Que fait-on avec l'eau? On boit de l'eau. On prend son bain. Le bain ou le hammam. On prend son bain. On cuisine. On arrose. On irrigue. نسقي الحدائق وهنا on irrigue نسقي الحقول on produit de l'électricité وننتج الكهرباء من الماء donc on boit de l'eau on prend son bain on cuisine on arrose on irrigue on produit de l'électricité Quatrième question, j'écris trois phrases pour ce dessin. إذن كنكتب ثلاث جمل لهذا الرسم لهذه الصورة أو لهذا الرسم. J'utilise les mots de la liste. إذن أستعمل الكلمات الآتية. Les enfants, الأطفال, tante Zubida, جدة زبيدة. Rempli d'un thème là-haut, des bassins, l'ahwad, joue, yel'aboun, le puits, lbf. Donc, la première phase, regardons ici l'image, en équipant il y a l'atfal falhanin, l'ahwad, m'l'atum jdebilma. إذن أحو هنا الجدة إذن أمام البئر تبحث عن الماء وكتاخذ البئر تملأه الأحوال لملء الأحوال دونك أون فا دير طونت زوبيدا شيرش دو لو شيرش لو دون لو بوي إذن طونت زوبيدا تبحث شيرش لو تبحث عن الماء دون لو بوي في البئر Elle remplit des bassins. إذن ملأت الأحواض بالماء. الأطفال فرحانين. Les enfants sont heureux. Les enfants jouent. الأطفال يلعبون. Ils sont heureux. إذن heureux يا فرحانين. Les enfants jouent. Ils sont heureux. Je répète. Tante Zubida cherche l'eau dans le puits. Elle remplit des bassins. Les enfants jouent, ils sont heureux. Voilà, c'est la nihaya. Wa shukran. Wa ila al-liqa.